Allez, c'est parti pour un petit stream aujourd'hui. On est samedi, il est 15h37, pour une fois, le week-end, après-midi. Donc c'est parti pour du 1v1 avec le Xelor, comme d'habitude. Shooter, il a pas de Quitech, ok. Par contre, il a sacrément de Rez R. Vu qu'il a pas de Quitech, je vais m'avancer à fond. Pas chercher à comprendre. On va mettre ça là. Je peux même mettre la synchro ici, ça me pose pas de problème. Tac, on fait des TLF. Oups. Oups, oups. Bon, bah tant pis, on va rater le Clepsydre. Bon, on va flou et rouage, du coup, pas Clepsydre. J'ai lâché un PA dans le vent. Commence bien ce stream là. Commence bien, dis donc. Argenté scintillant, ok. Bon, apparemment, il a un forge lave, mais vraiment, je te jure, le forge lave, je l'encaisse juste avec une frappe, ça me coûte un PA. Ne mettez pas de forge lave contre l'Exelor, ça ne sert à rien, c'est complètement débile. Forge lave, c'est bien contre Steamer éventuellement, ou les Dopu, quoi. Zobal, Zobal Steamer, c'est tout. Après, tout le reste, c'est de la merde. Donc là, j'ai mon ébène, hein. Ouais. On peut même... ouais, éventuellement, le renvoyer. Bon, vas-y. Tac. On va prendre la zone pendule. Tac. 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 Hop là. Voilà. Et malgré ses raids, on lui met quand même un gros glas à moins 739. Regardez ça, il a plus que 1200 points de vie. Ah, je vous l'avais dit, là, je voulais me défouler. Fallait que je fasse quelque chose, là. Je pouvais pas rester comme ça. Alors, le Yop, là, je pense qu'il est un petit peu dégoûté. Il s'est dit, attends, mais j'ai 40% raids. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Regardez les dégâts qu'il met, c'est ridicule. Là, j'ai même pas le debuff, ça sert à rien. Là, je vais, je pense, juste le ramener comme ça. Je vais peut-être le tuer. Je vais peut-être le tuer. Si je fais... Je suis arrivé de quel côté, moi? De là-bas, hein? Ouais. Normalement, voilà, c'est bon. Tac. Tac. Ouais. Un petit peu de retrait. Et malheureusement, ça suffira pas puisqu'il a un scintillant. J'avais même pas noté qu'il avait un scintillant. J'avais vu vite fait, mais je me suis dit, vas-y. C'est tellement pas une menace pour moi, ce Yop, même malgré les 40%, hein, c'est grave, hein. Mais bon. Ah, j'aurais pu contre, j'aurais pu faire plein de trucs pour le gêner beaucoup plus que ça. Il tape 0 par contre, hein, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai que 33% et pas de res mêlée, donc... En plus il avait le scintillant là, donc... Il tape vraiment 0 ce Yop. Hein. Est-ce qu'il perdrait pas une petite vita là prochainement? Non? Non, bah non. Ah bah après il est en retour de vertu, alors on va l'excuser. Hein. Ok, allez, paf. Paf. Hop, on le ramène. On peut faire ça et puis on lui met un ébène. Hein. Voilà, avec un énorme glas derrière, la crocobure. Et tout le Tentouin, il lui reste plus beaucoup de vie. Et puis moi, ben, je suis full life. Je suis full life. Même pas peur de ce Yop. Même pas peur, mon gars. Alors, du coup, je pense qu'il est un peu blasé de jouer là. Mais bon, vas-y, il essaye quand même. Ah, je crois que c'est le Dococo qui lui a sauvé la vie. Hein. Ouais. Le Dococo qui lui a sauvé la vie. Et là, je pense qu'on va faire le finish là. Hein. Sans problème même. Tac. Bah, tu sais quoi, je vais déloc. Comme ça va être technique. Hop. Et ensuite on pendule. Voilà. Et après, on s'en fout, on s'en fout. Il n'y a plus de vie. Pas chercher à comprendre. Vous voyez, quand je vous dis que je veux me casser la tête à chaque fois, c'est ce genre de délire. Il a plus que 300 points de vie. Je réfléchissais à faire péter la synchro là. Ah vas-y, putain, on enchaîne avec un cra. Allez vous faire en... Les cras qui jouent retrait PM, mais putain les gars, vous avez pas autre chose à foutre? Vous avez 10 000 sorts de counter au Xelor pour le mettre pesanteur. Arrêtez de jouer retrait PM, bordel. Vous... Enfin, c'est du sadisme là. Voilà, encore un cras, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes, ils ont aucune personnalité, c'est un truc de barge. Je vais pas m'avancer, ça sert à rien. Pour le moment, il sait pas. Vas-y, tu sais quoi? Je m'avance, j'ai un prix tech, je vais le rentabiliser, nique sa mère. Allez, go. Même si je suis pesanteur, c'est pas grave, je m'en fous, je gagne du terrain, je m'avance. Allez, on y va au culot.
Tac, on met une prémo offensive. M'en fous. Je vais être pesanteur, c'est pas grave, j'ai un pre-tech. C'est pas grave. Par contre, quand je vais t'attraper, mon gars... Vas-y, regarde-moi ça, j'ai 95 d'esquive, il arrive quand même... Ah non, ok, j'ai esquivé. Vas-y, parce que là, c'est bon. Quand j'ai vu la flèche immo retirer un PM... C'est bon, c'est du trolling, là. Ça va trop loin, vos conneries. Attends que je t'attrape, toi, avec tes 20%, tu vas voir. Il suffira d'une ou deux fois. Hein. T'as intérêt à courir vite et loin. Donc là, je suis pesanteur, évidemment. Alors, on va essayer de choper... on va essayer d'éviter un autre tour pesanteur, déjà. Donc là, je peux peut-être me permettre de reculer, éventuellement. Alors attends, on va mettre ça ici. Et hop. Voilà, on prend un maximum de PA. Je pense pas qu'il puisse me mettre pesanteur ou qu'il puisse gêner l'après-mo ici. Hein. En même temps, j'ai pris un petit peu de régène. Je pense pas, il peut pas là. Il peut pas. Hein. Il a écrasante tout à l'heure ou il a... Putain, après, je sais pas quel sort il a lâché. Ouais, il a écrasante, donc c'est bon. Là, il peut pas me mettre pesanteur. C'est pas possible. Je vais l'attraper coûte que coûte, c'est sûr. Il peut pas me faire de retrait. Il essaye, hein, mais ça marchera pas. Regardez les dégâts qu'il met en plus du retrait, quoi. Eh, vas-y. Vas-y, le moins 2 qui passe. Bien joué, frérot. C'est beau, ça. C'est beau. Putain, magnifique. Magnifique. Est-ce que j'ai un ébène? Non. Alors. Du coup, on va RS. Hop. Voilà, on va aller le gêner comme ça avec le complice. Tac, on va essayer de lui mettre bah, la totale. Est-ce que le glas est boosté? Oui, donc. Voilà, un bon petit glas à moins 1000. Allez, mange-toi ça dans la gueule. Tac, 5 PA. Donc du coup, on va faire ça. Et un petit ralentissement, ça mange pas de pain. Voilà. Et en plus, il n'y a pas l'ivoire sur la crocobure, donc on se régène pas mal. Et nous aussi, on fait du retrait. Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Ils sont chiants, c'est crasse, c'est un truc de fou. Hein. Ah vas-y, pesanteur, mais j'aurai mes PM. Donc il suffit que j'arrive à le choper au corps à corps. Normalement je devrais y arriver. Là je vais encore être pesanteur et je pense pouvoir peut-être le tuer. Et bon il a pris... Ah non il m'a pas mis pesanteur, ok. De toute façon pesanteur ou pas je pense qu'il avait compris que... Bah... Alors attends j'ai peut-être un truc à faire là. Si je fais ça... Ouais, normalement, c'est bon. Si je fais ça... Attends, comme ça. Ouais. Comme ça. Pendule. Et ça passe. Parfait. Bon, bah très bien. Voilà, des fois, ça vaut le coup de se casser un petit peu la tête pour faire péter la synchro. Oh, les raises. Oh, les raises. En plus, il joue terre, je vais me faire arracher. Ah, je vais me faire arracher. Si c'est pas une merguez. Il joue nébuleux. Ah ok, bon j'ai rien dit, c'est une merguez. Bah du coup on va aller le chercher tout de suite. Hein. J'aurais bien voulu avoir un petit PM de plus là. Hein. Sinon ce qu'on peut faire, c'est ça. Ah merde. Bon tu sais quoi, pas grave, on va faire ça. 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 Et la disto. Voilà. Comme ça, on est un peu safe et puis on l'éloigne. Là, il est né buba, donc. M'en fous. M'en fous. Par contre, je sais pas, pour le tour d'après, je sais pas trop comment je vais gérer ça. Hein. Son tour au nébu, là, je sais pas comment je vais le gérer. Hein. Ah putain, en plus, il joue avec l'épée carry. Oh, mais je suis mort, là. Non. Je crois que je suis mort. Hein. Là, je peux rien faire, je suis baisé. Retrait PA peut-être? Oh là là, l'horreur. Oh. Alors attends, on va faire ça. Contre. Toc. Toc. Et ça. Ok. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Hein. C'est tout ce que je peux faire après. Pour éviter le kill. Je vais prendre un coup d'épée carry, gros. À moins de 3000. Mais merde. Vas-y, tape. Vas-y.
Pylori, oh bâtard, il va gratter un tour de plus. En plus, il a 44% air, quoi, c'est chaud. Hein. En plus, j'ai flou. Oh là là, bah après, ça va parce qu'il sera. Il sera en retour de flou sur son ébuba, donc ça va. C'était vraiment le bon moment pour flou. D'ailleurs, ça l'a fait bégayer, hein, putain. Waouh, multi. J'ai boosté le glas ou pas, non ? Je sais pas si ça lui enlève le... Non. Ok, on va lui attaquer ses points de vie. On va se régénérer un petit peu, hein, mine de rien. On a le Dococo aussi, je crois, qui tombe. Ouais, Dococo qui est tombé. Là, il a 13 PA. Mais bon, il a quand même fait un tout petit retrait tout à l'heure de 1 PA. Et bah on a le contre. Et il est Nebuba. Hein. Donc ça va. Après, il va falloir qu'il réfléchisse bien à ce qu'il va faire ce tour-ci. Je pense qu'il n'est pas débile non plus. Mais il a l'air de savoir ce qu'il fait quand même. Ah bah je crois qu'il suicide en fait. Ok. Bon bah waouh, c'est pas passé loin de la mort là. Alors on va faire ça. Ça. Je meurs si je te touche. Non je pense pas. Pas quand même. Ah mais attends, faut que je le bute aussi là. Ouais c'est bon. Mon jeu s'affole. Ah c'est le contre. Ah oui, il a pas compris le contre. Mais vas-y, on est à 8 sur 16, allez, on a passé 4300 de cote. Ça me va, je pense que c'est le moment d'arrêter. À la prochaine, ciao les gars, ciao.